Mettez la com bien, Joe. Bon sang, accélérez! Je peux pas aller plus vite! Mais on arrivera à temps, ne vous en faites pas. Commissaire! Commissaire, le préfet de police veut vous parler. C'est pas vrai. Bon, allez-y, ne m'attendez pas, je vous rejoins tout de suite. Immédiatement. On va directement à l'embarquement. Je peux t'attendre? Non, ça sert à rien. Dans le tas, j'en trouverai bien un pour me ramener à la maison. À moins qu'ils aient tous peur que je leur salisse leur belle bagnole. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Eh ben, à qui il est, ce joli petit bijou? C'est la voiture de Don Stefano. Ah, bonne tade. Et voilà un gars qui a de la classe. Nous rappelons aux passagers qui se doivent conserver cette carte et la l'embarquement. Excusez-moi, police judiciaire. Très bien. Ce sont eux, là-bas. Vous deux, prenez vos hommes et allez de ce côté. Et vous, là, il faut les arrêter maintenant, inspecteur. On a besoin de l'aval du patron. Ça a bien mérité. Je sais pas si c'est possible. Commissaire, les Marseillais vont embarquer. Est-ce que nous intervenons? Attendez une minute. Je vous dis que les Marseillais embarquent. Si on veut les interpeller, c'est maintenant ou jamais. Attendez. Mais attendre, pourquoi? Ils vont nous échapper. Je lance l'opération. Arrêtez tout. Pour quelle raison? Ils s'en vont, je vais les bloquer. Arrêtez tout, c'est un ordre. Je répète, on arrête tout, c'est bien compris. Mais pourquoi, bon sang? L'opération est annulée. Alors quoi, on les laisse filer? Et moi, je ne parlais pas encore l'anglais. Et il en racontait, et patati et patata, et j'entends spaghetti. Alors je lui dis, c'est bon, apportez tout, apportez tout. Et là-dessus, il m'apporte un homard gros comme ça. Don Michele, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez de cette filière thaïlandaise? Ah, la Thaïlande. Et ça se trouve où, ça? Je sais même pas si c'est à l'est ou à l'ouest de la Sicile, la Thaïlande. Moi non plus, Don Michele. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Franchement, l'endroit d'où vient la cam, hein? Du moment qu'une fois arrivée ici, elle se transforme en billet de 100 000 lire, hein? Très juste. Que veux-tu que je te dise? Que Dieu la bénisse dans ce cas, cette chère Thaïlande. Que Dieu la bénisse. Santé. Santé. Et les familles de la province, elles ont aussi envie d'investir? Oui. Oui, si elles en ont la possibilité. Seulement, si vous utilisez nos labos, ce ne sera pas gratuit, d'accord? Il faut surtout pas vous inquiéter pour ça. On se débrouillera pour les labos. Je peux savoir ce qui s'est passé exactement? Le grand patron dit que nous n'avons rien pour les arrêter. Nous n'avons rien? Deux pages sur un trafic de stupéfiants international, vous appelez ça rien, vous? Apparemment pour lui, c'est pas suffisant. Et vous vous êtes laissé convaincre comme ça? Je suis aussi énervé que vous, alors ne vous y mettez pas vous aussi, d'accord? Tâchons de voir le côté positif de tout ça. Vous en voyez un, vous? Ils ne savent pas que nous avons découvert qu'ils étaient là. On va dire que ça nous donne un petit avantage. Vous avez raison, on va simplement dire ça. Teresa a préparé les pâtes aux sardines? Évidemment, comme chaque dimanche. Dans ce cas, je vous propose de terminer dignement ce qui reste de ce dimanche. Allons-y. Tu peux m'expliquer pourquoi on doit partager le gâteau avec les Corléonais? Ça me dépasse. Parce que si on les laisse sur leur face, ça les rend nerveux.
et on n'a pas intérêt à rendre qui que ce soit nerveux. Ces paysans, tu leur donnes la main et ils te bouffent le bras. Et tu penses qu'ils nous boufferont comment, hein? En revendant un peu d'héroïne à Palerme? Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. C'est nous qui avons le pouvoir ici. C'est à nous que l'État s'adresse pour faire libérer Aldo Moro. C'est nous qui tenons les banquiers, comme Sindona. Sindona est dans une mauvaise passe. Il est soutenu par un ponte de la démocratie chrétienne qui lui-même nous fait l'honneur de son amitié. Et eux, les paysans, qu'est-ce qu'ils ont? Strictement rien. Nous, on a des robinets en or, et eux, ils crèvent de faim. L'or. L'or. L'or, ça ne perd pas de sa valeur, n'est-ce pas, Toto? Bien sûr, chacun est libre de dépenser son argent comme il veut. Savonnette, essuie-main, eau de Cologne. Fais comme chez toi. Je te remercie, Stéphane. T'as triché, je me rends pas. Voyons, ce n'est pas le moment, les enfants. On est en train de préparer le repas. Ne restez pas là, allez, Claude. Ne cours pas dans l'appartement, Ninuzzo. Ça me reste en travers de la gorge. On fait l'impossible pour les attraper et nos chefs les laissent filer. C'est à se demander si on est du même bord, finalement. Évitons de nous poser ce genre de questions. Cherchons plutôt à savoir ce que les Marseillais faisaient ici, ça vaudra mieux. On sait parfaitement, commissaire. Ils ont passé leur journée à l'hôtel comme de simples touristes. Piscine, restaurant, restaurant, piscine... Oui, sauf un soir où ils sont sortis. Le portier de l'hôtel nous a dit qu'ils avaient fait appeler un taxi. Je sais, on est en train de le chercher. Parfait. On a dit qu'on parlerait pas de boulot aujourd'hui. C'est prêt, vous venez? Tout de suite. Où est-ce qu'ils sont passés? Où êtes-vous, les enfants? Michael et Margarita, dépêchez-vous, à table, assez joué maintenant. Et avant de s'asseoir, tout le monde se lave les mains. Vous pouvez être tranquille, Toto. Ici, même les oiseaux demandent la permission pour passer. Un brave homme, Pepe. Don Stefano m'a demandé de prendre soin de vous. C'est pour moi un grand honneur. Tu sais, j'ai appris pour ton frère. Je suis vraiment désolé. Maintenant, il paraît qu'il y a un espoir en le faisant opérer en Amérique. Mais... Tiens, prends ça. En guise de remerciement. Non, Toto. Je ne peux pas accepter. Don Stefano m'a assuré qu'il ferait quelque chose. On attend un peu. Quand la santé est en jeu, il ne faut surtout pas attendre. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le rendre. Ça ne fait rien. Je me contenterai de ton amitié. Et puis, tout cet argent qu'on gagne, il faut bien qu'on le redistribue de temps en temps. Sinon, il y a ceux qui se font faire des robinets en or et ceux qui doivent attendre. Mes trésors, alors, vous êtes bien ici, ça vous plaît? J'ai fait un trou, tu viens voir? Oui, j'irai voir. Tout à l'heure. Tu viens, on va jouer? Oui, d'accord. Bonjour, Toto. Qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là? Il est allé chercher des pâtisseries. J'en avais trop envie. Pourquoi t'as pas demandé à Vito? Parce qu'il n'était pas là. Et où est-ce qu'il est? Il est allé chercher des cigarettes. Mais il va bientôt revenir. Il me semblait avoir clairement expliqué que Ninetta et les enfants ne devaient jamais rester seuls. Je suis parti une demi-heure. C'est tout. On n'est pas chez nous ici. Parmi les nôtres. À l'abri. Alors comment tu veux que j'ai l'esprit tranquille si je sens que ma famille n'est pas en sécurité? C'est vrai, vous avez raison. Mais la maison est surveillée en permanence. Ici, nous sommes des invités. Stefano Bontade nous traite parfaitement bien et nous ne manquons de rien. Mais les choses peuvent très bien changer. N'oublie jamais ça, d'accord? Ninetta et les enfants ne doivent plus jamais rester seuls. Plus jamais! Ça n'arrivera plus. Je vous le promets. Très bien. Comme ça, je suis sûr que tu t'en souviendras.
Il s'est écroulé. Il n'a pas arrêté de courir. J'aime bien quand il y a de l'animation, tu sais. Des enfants qui jouent tout autour. En fait, j'aime bien les familles nombreuses. Tu voudrais pas qu'on ait un deuxième enfant? Rien ne me ferait plus plaisir, tu le sais. Peut-être que si on vivait ailleurs, ce serait différent. Mais ce n'est pas le cas. C'est ici que je travaille. Et c'est ici que nous vivons. Comment peux-tu avoir envie de rester après tout ce qui s'est passé ici? C'est un miracle si tu es encore vivant. Mais enfin, tu penses qu'ailleurs la situation est vraiment différente? Tu ne vois pas ce qui se passe dans le pays actuellement. On se croirait en guerre. Les terroristes assassinent des gens tous les jours. Policiers, magistrats, journalistes. Ils ont même éliminé Aldo Moro. Ça, c'est différent. Ce sont des affaires politiques. C'est la même chose. On ne va quand même pas arrêter de vivre. Si on partait, ce serait vraiment une terrible défaite. Dans le temps, Toto, si on avait touché à la cam, les chefs nous auraient coupé les mains. Les temps ont changé. Si tu n'investis pas dans la cam de nos jours, tu es dépassé. Les travaux publics, ça ne rapportait rien en comparaison. Oui, mais on y a mis toutes nos ressources. Et là, on repart à zéro, une fois de plus. Comme quand on a débarqué à Palerme. Seulement pour réussir dans ce business, il faut avoir des amis et des parents en Amérique. Tu as des parents en Amérique, toi? Non, moi non plus. Donc si on veut se faire une place, il faut passer par ces salauds de Palermitains. J'arrive pas à croire qu'après tant d'années, tu n'aies pas compris une chose. La place appartient à celui qui la prend. Chicho, viens, on t'attendait avec impatience. Toto, je suis venu uniquement pour vous faire plaisir. Mais ce travail, je ne vais pas pouvoir le faire. Et tu appelles ça me faire plaisir? Vous voyez un peu mon visage? C'est l'effet des vapeurs que je respire à longueur de journée. Si je n'arrête pas, je vais mourir. S'il te plaît, Chicho, tu vas pas faire ça. Tu es le chimiste. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu dois te maintenir en bonne santé. Dès que tu auras terminé ce travail, on t'emmènera un peu à la mer. Tu peux me croire, l'air de la mer, ça va te revigorer. Tu vas dire à Lucchino tout ce dont tu as besoin. Et tu nous montreras comment tu fais. Bon, d'accord, mais c'est juste pour cette fois. Vous savez que je suis engagé vis-à-vis de la famille Bontade. Chicho. Tu sais bien qu'on a une grande famille. Regardez. Avez-vous embarqué ces deux hommes dans votre taxi mercredi dernier à l'hôtel Le Palme? Vous les reconnaissez? Les reconnaître, c'est beaucoup dire. Les clients, je les vois seulement dans le rétroviseur. Alors comment en être sûr? En faisant un effort, peut-être que vous pourriez vous rappeler. Vous savez, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être taxi? Des tas de choses, inspecteur. Eh bien quoi, par exemple? J'ai travaillé sur les bateaux. Je partais pour des périodes de 3 mois. Ça vous plairait de travailler sur les bateaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis chauffeur de taxi. La licence m'a coûté 5 millions. Raison de plus. Pourquoi prendre le risque de la perdre? La perdre? Mais comment? À Santa Maria del Gesù. C'est ici qu'habite Francesco Marino Mannoia, di Ciccio. Il a 37 ans, un diplôme d'expert chimiste et on le soupçonne de travailler pour la famille de Stefano Bontade. Donc il est chimiste. Les Marseillais sont impliqués dans un trafic de stupéfiants. Ça ressemble à un petit rendez-vous entre collègues. Le voilà. C'est lui. Suivons-le à distance. Je veux voir où il va. Fait maintenant. Rien, on attend. Attention, c'est lui, il sort. Allez, dépêchons-nous, il faut le suivre. Non, non, non.
Je veux savoir ce qu'ils fabriquaient là-dedans. Bien, Joe. Regardez. De l'héroïne. Eh bien, on est fixé maintenant. Ils ont commencé à la transformer ici. C'est pour ça que les Marseillais sont venus. Pour leur montrer comment on fait. La mafia n'est plus seulement un intermédiaire, ils ont franchi l'étape. Ça signifie plus d'argent, plus de moyens. Ça, c'est intéressant. Regardez. Ah. Il a combien d'identités, celui-là? En tout cas, aucune n'est la vraie. Pourquoi vous dites ça? Vous savez qui c'est? Leo Luca Bagarella, di Lucchino. Le frère de Ninetta. Les Corléonais, commissaire. Toute cette cam est à eux. Ils vont revenir la chercher. Ils sont partis. Décidément, il ne veut pas comprendre nos avertissements, cet idiot. Mais je lui ai dit à Toto, il faut le buter, un point c'est tout. En attendant, ils ont trouvé le labo. Ouais, et j'aimerais bien savoir comment. Il y a une vingtaine de labos dans tout Palerme. Et c'est justement le nôtre qu'ils ont réussi à trouver. Pépé. Regarde cette merveille. Là-dedans, il y a le soleil qui ne brille que chez nous. Toto, je viens vous dire que mon frère a été opéré aujourd'hui même. Ouais. Et apparemment, il va s'en tirer, grâce à votre aide. Tant mieux. J'étais même prêt à t'en donner plus. Tu as sûrement entendu parler de la petite visite que les flics viennent de nous faire. Toto, Don Stefano n'est pas content. Ah bon? Et pourquoi? Le labo que la police a découvert était à nous, pourtant. Le fric, c'est pas lui qui l'a perdu. Il dit que le chimiste doit être uniquement au service de la famille Bontade. Et que ceux qui ne peuvent pas s'en payer un n'ont qu'à se contenter de ce qu'ils ont. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec vous. Je pense que tout cet argent qu'il y a gagné devrait aussi profiter à d'autres. Il y en a certains parmi ceux qui commandent qui oublient que Cosa Nostra a été créée pour notre bien à tous. Ils oublient ceux qui sont en dessous. Ils oublient les braves types qui donnent jusqu'à leur propre sang pour eux. Et des braves types comme ça, j'imagine que tu en connais beaucoup. Des dizaines, Toto. Justement. Ce serait bien qu'ils sachent que ceux qui les commandent n'ont pas tous la même façon de penser. Et que ceux qui ont connu la misère n'oublient pas ceux qui sont toujours dans le besoin. Pourquoi on a arrêté la surveillance du labo clandestin? En une semaine, il ne s'est rien passé, je ne veux pas gaspiller mes effectifs. Ils ont senti notre présence, ils n'y retourneront plus. Bon sang, quand je pense qu'on était à ça de les coincer. Écoutez, l'important, c'est que maintenant, nous savons que le cœur du trafic de drogue se trouve ici, à Palerme. C'est une information absolument capitale. La mafia contrôle maintenant la plus grosse source de revenus criminels de toute la planète. Vous avez raison, le plus gros marché est en Amérique et les donneurs d'ordre sont les Américains. Mais ces gens-là traitent directement avec Bontade, Badalamenti et Inzerillo. Maintenant, ils commencent à entendre parler de Rina, qui lui ne va pas rester les bras croisés. Je veux qu'on fasse faire des photos aériennes de toute la ville. Étant donné que pour faire fonctionner un labo clandestin, il faut utiliser une énorme quantité d'eau et d'énergie, vous tâcherez de repérer toutes les consommations anormales. Et ce n'est pas tout. Faites aussi renforcer les contrôles à l'aéroport, parce que c'est de là que part l'héroïne, et c'est là qu'arrivent les dollars. Il n'y a pas eu de trahison. Les flics ont simplement suivi le chimiste et ils ont découvert le labo et la cab. Les palermitains n'y sont pour rien. Et ça va, alors on peut continuer comme avant. Est-ce que ça vous dit de continuer comme avant? Vous voulez qu'on continue à vous laisser fourguer un kilo par-ci, un autre par-là? Vous n'en avez pas assez de quémander votre part? Écoute, Toto, les affaires marchent bien. Qui sait, peut-être qu'à la commission, on obtiendra quelque chose d'équitable, ou du moins, une meilleure part. Donc vous voulez continuer à jouer les mendiants? Et c'est moi qui devrais m'y coller. Je vais aller voir Bontade et Inzerillo et leur dire « Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un petit kilo en plus? À votre bon cœur ?» Moi, je ne suis pas un quémandeur. Et si on ne fait pas bouger les choses, on restera toujours en dessous. Et eux, ils se tailleront la meilleure part. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus faim? C'est le bol que vous recevez des palermitains qui vous a coupé l'appétit ou quoi? Toto a raison, vous ne croyez pas?
Il faut donner une leçon à ces grands seigneurs. Nous devons leur faire comprendre qu'il n'y a pas que les palermitains. Ceux qui ont manqué de respect envers nous, comme dit Cristina et Calderon, et ne sont plus là pour en témoigner. Mais les Bontade et les Inzerillo sont des gens d'une autre catégorie. Si on leur cherche des poux dans la tête, il faut qu'on soit certain qu'au bout du compte, on sera assez fort pour les écraser. Et ça, qui est-ce qui peut nous l'assurer? La faim, pardi. C'est notre force à nous, les affamés. À Palerme, ils ne savent pas ce que c'est. Moi, je l'ai éprouvé, la faim. Et quand on en a souffert, c'est un manque qui reste et qui ne peut plus jamais vous quitter. Tu as déjà pris ta décision. Ça fait déjà 40 ans que je l'ai prise. Et toi, t'en penses quoi? La pire des solutions serait de faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut avoir quelqu'un en face. Quand ils réaliseront qu'elle a éclaté, elle sera déjà finie. Ça, c'est le hangar qu'on a repéré. Un atelier mécanique qui consomme autant d'électricité qu'une fonderie. Et il y a un cours d'eau ici, à proximité. D'ailleurs, on y voit entrer un camion une fois tous les 36 du mois. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, inspecteur? Ce qu'il veut dire, c'est qu'un atelier n'a pas besoin d'autant d'eau et d'électricité, monsieur le préfet. Nous pouvons nous tromper, mais d'après nous, on n'y répare probablement rien. La raffinerie. J'arrête de bouger. Allez, emmenez-les. Embarquez-les dans les fourgons. Allez, avancez. Emmenez-les. Bien, Joe. On va faire un dernier tour tous les deux. Attention! Sortez de là! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Je suis pas armé! Pas de bêtises. Gardez les mains en l'air et avancez! Ne tirez pas! J'ai dit avancez! On n'a plus qu'à faire parler les types qu'on vient d'arrêter et on saura pour qui ils travaillent et à qui appartient la drogue qu'on a saisie. Ils vont sans doute chercher à déplacer les autres labos. C'est pour ça qu'il va falloir se montrer plus rapide qu'eux. Oui. Commissaire Boris Giuliano. Oui, je vous écoute. Tu vas bientôt crever. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? C'était qui? Rien, quelqu'un qui s'est trompé de numéro. C'est Inzerillo qui voulait faire immédiatement la peau au shérif. Mais Bontade a dit non, parce qu'on n'a pas intérêt à soumettre tout l'État à dos. Normal, c'est aussi avec l'État que Bontade fait ses affaires. Tu appelles ça faire des affaires? Il dépense une montagne de fric pour arroser les politiques. Et tout ça pour s'entendre dire, ça t'as le droit de faire, et ça t'as pas le droit. En attendant, le shérif continue à nous emmerder. T'as compris à quoi elle servait cette commission? 4 heures de discussion pour ne rien décider.
Plus vite on lui réglera son compte à cette commission, et mieux ce sera. Allez bien, je vais te montrer quelque chose qui va te faire rêver. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Avance, avance, attention à la tête, baissez-vous. Vas-y. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Deux GT et un Spider, tout neuf. Ouah, qu'est-ce que t'as l'intention d'en faire? Tu imagines le prix qu'on peut en tirer de ces bagnoles? Ouais, mais on pourrait aussi en faire cadeau. Tiens, tu vas attribuer celle-là au premier qui est sur la liste. C'est qui celui-là? C'est le frère de Pepe, un des lieutenants de Bontade. Bontade? On n'a pas intérêt à négliger des amis comme Pepe. Regardez ce Spider! Et avec les autres, je fais quoi? Trouve un moyen de leur faire plaisir. Ça, c'est la classe! Il faut qu'on mette dans notre poche les garçons des autres familles, Binou. Hey, tu connais le prix de ces voitures? Chacune vaut plusieurs millions. Écoute-moi, il y a des tas de mécontents au sein de Cosa Nostra. Remplissons leurs poches de quelques liasses. Et crois-moi, le moment venu, ils sauront de quel bord il faut être. Hé, hey, Toto, regarde comme elle est chouette, celle-là! Fais comme je te dis, c'est le moment d'arroser les graines que j'ai plantées. Sinon, elles vont mourir. Mais si on les fait bien pousser, tu verras. On va faire une superbe récolte. Lucchino, on y va. J'arrive. Arrêtez tous ces types lors de la descente dans le laboratoire. Ils sont au service des familles Spatola, Bontade et Inzerillo. C'est la crème de la mafia palermitaine. Tout se tient, c'est très simple. Ils achètent de la morphine base, ils la transforment et ils l'envoient à leurs parents aux États-Unis. D'après les Américains, il entre chaque année entre 70 et 80 tonnes d'héroïne chez eux. Supposons un instant que la moitié seulement vienne d'ici. Au prix d'un demi-million de kilos. Vous voyez ce que ça représente. Avec ça, ils peuvent se payer tout ce qui leur fait envie. Et dans ce pays, malheureusement, tout a un prix. Allô? Oui, oui, vous avez bien fait. Nous arrivons. Venez, on nous attend à l'aéroport. $500,000, commissaire. À mon avis, le passager a pris peur en voyant les contrôles et il a renoncé à récupérer son bagage. On n'a plus qu'à découvrir qui transportait l'argent pour le lui restituer. Et comme ça, la boucle sera bouclée. Le passager s'appelle comment? Il s'agit d'un certain Tommaso Giglio. Voyons si on arrive à en tirer quelque chose. Si toutefois on le retrouve. Si toutefois il existe. Et celle-ci? Le même artiste, un élève de Dali. Elle représente la nymphe Daphné avant sa rencontre avec le dieu Apollon, qui tomba fou amoureux d'elle. Il y avait de quoi, en effet. Au-delà de la rareté, c'est le prix qui fait de cette œuvre magnifique une occasion unique. Je les prends toutes les trois. Excellent choix. Les flics ont récupéré la valise avant nous à l'aéroport. Merci, je reste à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez. À bientôt, au revoir. Cher monsieur le député, ils viennent vraiment de dépasser la limite. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Si vous ne neutralisez pas ce shérif une fois pour toutes, c'est nous qui le ferons. Est-ce que vous m'avez bien compris? Monsieur le directeur, j'aimerais savoir si vous connaissez le titulaire d'un compte courant chez vous, un certain Giglio Tommaso. Inspecteur, nous avons plus de 3000 titulaires de compte courant, comment pourrais-je tous les connaître? Oui, je comprends. Mais celui-ci n'est pas un client tout à fait ordinaire. Il a effectué récemment un versement d'un montant très important en dollars. Ce nom ne me dit absolument rien. C'est un peu normal. Parce que ce monsieur Giglio ne figure même pas à l'état civil. C'est probablement une fausse identité. C'est pourquoi je viens voir si vous ne sauriez pas par hasard... Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Par ailleurs, vous connaissez la législation bancaire, et donc je ne pourrai rien faire. Vous comprenez?
Oh, mais parfaitement, monsieur le directeur. Voici ce que nous allons faire. Nous allons attendre, et au cas où ce soi-disant Giglio se présenterait à vos guichets, appelez-moi à ce numéro. Est-ce qu'on s'est bien compris ? Allô ? Oui, c'est moi. Ils sont venus me voir. Allons, restez tranquille. Ils n'ont rien, ça je vous l'assure. Les 500 000 dollars que nous avons saisis à l'aéroport se trouvaient dans les bagages d'un soi-disant Tommaso Giglio. Cet individu n'existe pas, il s'agit d'une fausse identité, derrière laquelle se cachent, du reste, de façon un peu voyante, les clans palermitains. Et qu'est-ce que vous suggérez de faire ? Des hommes de paille, comme ce fameux Giglio à Palerme. Il doit y en avoir combien ? Des centaines. Si on se donne les moyens de les identifier, on mettra le grappin sur le trésor de la mafia. Nous devons entrer dans les banques, monsieur le procureur, où les milliards que la mafia dépose ne dorment pas. Ils sont réinvestis dans des activités légales, ce qui empêche toute sanction. On ne peut plus séparer l'argent propre de l'argent sale, les entreprises saines de celles qui ont la gangrène. Ce n'est pas moi qui fais les lois, et en appliquant à la lettre celles que nous avons, les hommes de paille comme ce Tommaso Giglio, on ne les prendra jamais. Je ne comprends pas, que voulez-vous dire ? Que tout ce que nous faisons est inutile ? Non, au contraire, messieurs. Je pense que vous faites un travail prodigieux et que vous devez aller encore plus loin. J'ai l'impression que Costa nous soutient. Maintenant, il va falloir placer le directeur de la banque sous surveillance. 24 heures sur 24, il ne faut plus le lâcher d'une semaine. Tradzi ! Ça alors, Boris, quelle bonne surprise. Je suis content de te voir. Comment ça va ? Très bien. Attention, Skiro, vous avez devant vous une grosse légume d'Interpol. Écoutez-le, lui, c'est plutôt toi la grosse légume. Grâce à ces petites valises pleines de dollars, tu te sens pousser des ailes, mon coco. Comment ça, je me sens pousser des ailes ? Ne fais pas l'innocent, tout le monde sait que tu vas avoir une belle promotion bientôt. Tu vas être nommé à Rome, Boris. Nommé à Rome ? Tu n'oublieras pas les amis quand tu seras au ministère. Bonne chance, messieurs, je vous salue. Merci, au revoir. Vous allez partir, commissaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des secrets pour moi, maintenant ? Ne soyez pas ridicule, je n'ai de secrets pour personne. Ici, un secret vous envoie au cimetière. Biagio, tâchez de ne jamais oublier ceci. Si vous découvrez quoi que ce soit, écrivez-le. Dites-le à quelqu'un de confiance. Mais ne le gardez pas. Surtout pas. Jamais. Mes amis de Rome me l'ont garanti, ils s'occupent de tout. Seulement, il leur faut un peu de temps pour ça. Comme si on en avait du temps. Ils ne voient pas que ce commissaire de mes deux est en train de foutre en l'air toutes nos affaires, et ça leur monte à la tête. Maintenant, n'importe quel flic se permet de faire ce qui lui plaît quand ça lui plaît. Cette situation ne peut vraiment plus durer. Tu as raison. Toto ? Moi ? Je dis que quand on a vraiment mal à un doigt, parfois on a plus intérêt à couper le bras entier. Et avec toutes les actions terroristes qu'on a en Italie actuellement, on n'a rien à faire d'un flic sicilien. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui va s'en occuper ? La proposition vient de Corleone, non ? On devrait leur laisser cet honneur. Je te remercie, Totuccio. Comme tu dis, ce sera un honneur. C'est la troisième victime en moins de 15 jours. Il y a un fou furieux qui est en train de fourguer de la cam mal coupée. Ça ne peut pas servir les intérêts de la mafia. Qu'est-ce qu'il y a, commissaire ? Partez, Biagio. Partez loin d'ici avec votre famille. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Parce que les signes sont de plus en plus nombreux, c'est devenu trop risqué pour nous maintenant. Pourquoi ce serait plus risqué qu'avant ? Le risque, on l'a toujours eu. Il n'est pas question que je parte. Nous sommes les policiers. Et ce sont eux, les criminels. Si encore on nous laissait travailler, mais ouvrez les yeux. Ces rumeurs au sujet de ma promotion. Visiblement, quelqu'un veut m'envoyer loin de Palerme. Même à la préfecture, on a saisi trop d'argent et compromis trop d'intérêts. D'habitude, c'est moi qui ai tendance à avoir des ennemis partout. Croyez-moi, commissaire. Tant que vous resterez, je ne partirai pas. J'envoie ma femme et mes enfants quelque temps loin de Palerme. À votre place, je ferai la même chose. Ces salauds veulent que ce soit nous qui fassions le sale boulot. Comme ça, si ça tourne mal, c'est sur nous que ça retombera. Joli. Il va falloir t'appliquer, Lucky. Je vois pas où est le problème.
veux savoir où il est le problème? Merde. Dans le fait qu'il se déplace constamment avec un Smith & Wesson 5 coups sous le bras. Et qu'il tire presque mieux que moi. Et que si ça foire, c'est moi qui irai voir ta sœur avec une cravate noire. Mais c'est pour quand? C'est eux qui nous le diront. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un en ville qui vend de la cam mal coupée. Mm-hmm. Il faut découvrir qui c'est. À ton avis? Oh, j'ai ma petite idée, mais bon. Tâche de le trouver. D'accord. Alors, on peut savoir qui vend cette cam de merde? On dirait que ça leur plaît d'être pendus comme des cochons pour l'abattoir. Vous allez répondre, les gars? Non? Vous savez que vous commencez vraiment à m'énerver. Vous avez de la route, ne vous retardez pas. Au revoir, papa. Au revoir, mon grand. J'espère avoir de vos nouvelles. Allez, on verra une jolie carte postale. Très bien. Allez, on s'en écoute. Je vais m'arranger pour vous retrouver la semaine prochaine. Je vous rejoins dès que possible, d'accord? J'ai déjà prévenu le préfet que je prendrai quelques jours. Promets-le. Je le promets. Et bien sûr, je te crois, comme si c'était la première promesse de ce genre. Cette fois sera la fin. C'est ça. Biagio, prenez bien soin de lui. Veillez à ce qu'il ne saute aucun repas, d'accord? Je l'attacherai pour qu'il mange s'il le faut. Sois prudente. Tu me connais. Faites bonne route alors. Allez, on va. Au revoir les enfants. Au revoir. Amusez-vous bien à la montagne. Fais attention, ne va pas trop vite, hein. Oui, je ferai attention, d'accord. Comme toujours. Dites au revoir, les enfants. Au revoir. Bientôt. Vous y pensez parfois? À ce qu'on laisse passer comme occasion? À ces moments qu'on pourrait passer en famille, à toutes ces occasions ratées, à tout ce qu'on ne leur consacre pas, tellement se laisse prendre par nos enquêtes. Par exemple, l'autre jour, regardez, je tombe sur l'aîné qui venait de vider un tube de gel dans ses cheveux. J'ai cru qu'il était devenu fou. Et là, ma femme me dit que c'était juste pour ressembler à ce nouvel acteur américain. Vous savez, c'est quoi son nom? Travolta. J'avais l'air de débarquer d'une autre planète. Que voulez-vous, commissaire? On essaie de tout concilier. On fait ce qu'on peut. On croit qu'on pourra toujours rattraper le temps perdu un jour ou l'autre. Mais il y a certaines choses dans la vie, une fois qu'on passe à côté, c'est fini. Je me demande si tout ça, ça en vaut la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine. Pour nos enfants, c'est pour eux. Pour qu'ils puissent vivre dans un monde, disons, un tout petit peu meilleur. C'est vrai. Vous avez raison. Dites quand même à Teresa qu'elle devrait changer un petit peu d'air. On a du travail, commissaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Tanino. Qu'est-ce que vous voulez? Avoir une si belle épouse chez soi et coucher avec celle-là? Je serais pas fier à ta place. Allez, disparais. Alors, Tanino, tu sais ce qu'Inzeril va faire quand il apprendra que c'est toi qui frelates sa cam en ce moment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Il va te couper un bras d'abord, et puis l'autre, et après la tête. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais Ça va, du calme, du calme. Je me doutais bien que ce n'était pas un simple dealer qui pouvait faire circuler une telle quantité de cam frelatée. Mais un homme de confiance, ça je ne m'y attendais pas. Le bras droit d'un de nos grands chefs de famille. Mais quelle mouche t'a piqué, Tanino? Je ne sais pas, Toto, je ne sais pas. C'était stupide, j'aurais pas dû. Je l'ai fait par besoin. Par besoin? Oui, exactement. J'avais besoin d'argent. La situation n'est pas brillante en ce moment à Cosa Nostra. Un homme de confiance qui, pour subsister, est obligé de couper la cam. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Ne dites rien à Inzerillo. Si jamais il apprenait... Qui t'a dit qu'on allait te balancer? Tu me seras bien plus utile vivant. Tu vas faire quelque chose pour nous. Tu vas désigner un coupable et tu choisis qui tu veux. Et tu vas lui faire porter le chapeau. Puis tu iras voir Inzerillo. Et tu lui diras que j'ai une proposition à lui faire. Une part sur un chargement. Et il devra te faire totalement confiance. Merci. 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 Ah, Teresa. Aujourd'hui, Boris et sa femme ne viendront pas déjeuner. Excuse-moi. J'ai oublié, j'aurais dû te le dire plus tôt.
Je vais t'aider à finir. Pourquoi ils ne viennent pas? Inès et les enfants sont partis quelques jours en vacances. Ils ont de la chance. On en aurait bien besoin, nous aussi. Antonino. Écoute, Teresa, je ne pourrais pas tenir ici sans vous. Mais pourquoi sans nous, mon chéri? Eh bien, parce qu'en ce moment, je ne peux absolument pas prendre de vacances. Comme toujours. Pas de vacances d'été, jamais. Mais aujourd'hui, on va aller à la plage. Hein, Ninuzzo? Ça te dit d'aller à la plage? Oui. On va y passer toute la journée alors, t'es content? Ah, ça pue le poisson. Comment arrête. Ça pue? C'est le merveilleux parfum de la mer. Laisse-le, quoi écoute. Toi non plus, tu n'aimes pas le merveilleux parfum de la mer. Lucchino, c'est demain que tu vas prendre le café avec le shérif. Salut. Petit café comme d'habitude. Vous permettez? Vous pourriez dire bonjour à votre oncle, les enfants. Bonjour, Lucchino. Doucement, doucement. Toto, je crois qu'il arrive. Les contractions sont irrégulières et de faible intensité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une fausse alerte, tout simplement. Vous pouvez rentrer chez vous. On reste ici jusqu'à l'accouchement.
Mais ça n'a pas de sens. Il va peut-être falloir attendre 2 ou 3 jours, et si nous la gardons ici, on court le risque que... Vous voyez ce que je veux dire. Le vrai risque, c'est que ma femme dans son état soit obligée de refaire toutes ses trous dans les deux sens. Voilà quel est le risque pour nous. Pour celui que vous prenez, vous recevrez une belle indemnité. On est bien d'accord? Absolument. D'un père de famille, d'un honnête homme qui s'était mis au service du peuple, de l'État, de la loi, le commissaire Boris Giuliano, chef de la brigade mobile de Palerme, a été assassiné, comme tant d'autres, par ceux-là même qui avaient intérêt à l'éliminer. Le pays regorge d'assassins. Aujourd'hui, trop de commanditaires, de lâches exécutants, trop de complices. C'était pas mieux que t'y ailles. Sont en liberté. Pour me retrouver à côté de Lima et Chen Jimin. Ils viennent dans nos rues, affichant leur mépris. C'est d'eux que parle le cardinal. Ils affichent leur mépris et ils restent impunis. Ce sont eux qui s'affichent en ce moment là-bas. Sans vergogne. Ça me donne envie de vomir. Ce spectacle me dégoûte. Dans ce cas, pourquoi on ne partirait pas maintenant? On va pas revenir là-dessus, Teresa. C'est le moment d'en parler, au contraire. S'il te plaît. Tout sauf ça, par pitié, pas aujourd'hui. Non, c'est maintenant que je vais en parler. Tu entends maintenant? Il faut que tu me dises ce qui se passe dans ta tête. Si t'es prêt à te faire assassiner comme eux. Tu me réponds oui! Que veux-tu que je te dise? La réponse que tu espères, c'est quoi? Tu sais que ça peut arriver. Tu l'as toujours su. Oui, mais là, c'est arrivé pour de bon. Il y a eu Silvio, puis Boris. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Chérie, je ne peux pas m'en aller. Si je pars maintenant, tout le travail que nous avons accompli, celui pour lequel Boris a été assassiné, n'aura servi à rien. C'est important, tu comprends? Si tu savais comme je m'en moque, tu deviens complètement fou. Ton propre fils est passé au second plan. Tu n'as pas le droit de dire ça, Teresa! M'a donné un autre petit garçon. Et il est beau, ce petit ange. Non, cet enfant est laid. Aussi laid que toi, d'ailleurs. Mais non, tu es mon fils et tu es beau. Et on va t'appeler Giuseppe. Alors c'est lui qui frelatait ma cam? T'en es sûr? Il en avait encore chez lui, le fumier. C'est une preuve, non? Ouvre! T'as coupé ma cam et tu l'as vendue. Hein? T'avais qu'à venir me voir si t'avais besoin d'argent. Je pensais pas que tu me ferais ça un jour, Salvatore. Descends-le. Balance-moi ça dans la rue. Que personne ne s'avise plus de me faire un coup pareil. Totuccio, il faut que je te dise quelque chose. Toto vient de me faire une proposition. Quel genre? Je te le dis, mais il m'a demandé de ne pas te le dire. Voilà. Il me propose de travailler pour lui. Quel sale petit enfoiré! Qu'est-ce que t'as répondu? J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. T'as bien fait. Tu vas lui dire que c'est d'accord. Il faut qu'il ait totalement confiance en toi, Specno. Compris? Comme ça, le moment venu, on va lui faire passer le goût du pain.
Tomasino, tu es en manque ou quoi? À croire que tu n'as pas trouvé de femme au Brésil? Ce qu'on dit des jolies brésiliennes, en fait, c'est une légende, c'est ça? Non, simplement, j'avais la nostalgie des femmes siciliennes. Allez, filez. Stefano, viens. T'es en pleine forme. Le Brésil t'a vraiment rajeuni. Tiens, essuie-toi les mains. Merci. T'en fais une tête. Totuccio, tu ne dis plus bonjour aux amis ou quoi? C'est à cause de toi. C'est toi qui les as fait entrer à la commission. Il veut dire les Corleone. Non seulement ce petit salaud fait une proposition à un type à moi, mais il lui demande en plus de ne rien me dire. Ah, y a pas de quoi fouetter un chat, non? Je dis les choses comme je les pense. Si on ne l'arrête pas dans son élan, le Corleone va finir par nous posséder. Écoute, quand j'ai dit de le faire entrer à la commission, c'était pour le contrôler, pour le tenir en laisse. Si la laisse que vous lui avez mise est trop longue, faut pas vous en prendre à moi. Tu vas voir, je vais lui faire comprendre qu'il commande. On est là pour faire régner la paix entre nous, pas pour faire la guerre. La question du shérif nous a fait perdre suffisamment de temps, il me semble. Je crois que le moment est venu de s'occuper à nouveau de nos affaires. Les Corleonais n'ont aucune importance. Tant que nous sommes unis, ils ne sont pas plus gênants que des moustiques. Oui, si nous sommes unis. Si on perd pas notre sang-froid. Tomasino, ménage un peu ton estomac. Viens chez moi, je te ferai goûter du grand champagne. Totuccio, viens. Alors, docteur, qu'avez-vous à me dire? Madame, il va falloir que vous observiez une période de repos absolu. Qu'est-ce que vous appelez absolu? Restez toujours allongé, ne faites aucun effort physique, ne soulevez pas de poids. Il va aussi falloir que vous preniez ce médicament pendant 3 jours.